une cousine qui était enceinte. Pour nous apprendre à l'enceinte, elle est allée à l'hôpital. Elle est levée peut-être les badges de docteur, elle est mourue là-dedans. En devant lui, pendant la tête, elle est sortie, elle est mourue là-dedans. Mon café est net temps pour me prendre ma chaîne. Pas tellement, oui, mon café est net temps. Saute là, mettre un bol à rire, aller mouver un bol à rire, me faire un pile temps. On va pour me jouer une machine parce que pas toutes les machines voulaient monter ma rigo. Problème accès, mais dis-nous, c'est un grand défi. Jusqu'à présent, c'est un grand défi pour nous. Ou besoin, nous t'as aimé comme si que famille a accouché dans les conditions côté que côté au sans risque. L'hôpital là avec les femmes de Miss Roche, lui apprécie mon appel. J'en lui servi à mon et puis tout j'en lui apprécie mon tout. Jacques nous dit parfois que j'ai l'impression qu'il n'a jamais fini. Pour qu'on commence, ça va dépendre. Ça arrive que depuis à 3 heures du matin, on réveille. Depuis à 3 heures du matin, on commence le travail. Parfois, si il y a une femme enceinte qui vient, en travail, soit qui vient pour un autre problème quelconque, donc on est obligé là pour lui, quel que soit l'heure, on est obligé là. En tant que sage-femme, côté vraiment plus sentir bien, c'est dans ça l'accouchement. C'est ça l'accouchement parce que pour moi-même, c'est le meilleur moment dans la vie de femme. Comme si qui était en grossesse, qui était 9 mois avec une grossesse, et puis qui besoin ouais petite qui dans joie. Parce que nous partager joie ça avec femme, nous partager à temps. Tant que femme n'a pas tant petite et nous même tout n'a pas tant. Donc c'est comme si c'est pour moi même c'est le meilleur moment. Mais des sages-femmes n'ont pas la vie. Ils n'ont pas la vie.